moi, c'est Tom. Tom Fox. Moi, je viens du Nouveau-Brunswick. Madawaska. Ouais, non, c'est ça. Je viens pas de Saint-Alexandre, moi, là. Je suis venu ici pour du trempage. Le petit Wallet, là, il me demandait à la messe un dimanche si je voulais être d'ouvrage. Hey. Alors, c'est pas que le bon Dieu voulait pas que je parte d'ici puis que je retourne dans mon coin de pays. Ça fait que j'ai accepté le boulot. Ouais. Ils m'ont mis boss. Boss d'une gang de gars. Hey, on allait travailler sur un tronçon de la route là, de Saint-Alexandre à Saint-Alexandre. Hey, je vais te dire, on dormait pas au gaz. Fallait être de bon sur le piton. Fallait défricher la terre, la ramasser à la pelle, casser de la grosse roche. En pleine chaleur en plus. Fallait quasiment qu'on se dégraille de nos culottes. Mais là, ça commençait à être moins drôle. L'eau manquait, mes gars avaient soif. Mes gars, ils voulaient pas travailler s'il y avait pas d'eau. Fallait bien que je règle ça. J'allais voir le curé, puis lui, il a pris la situation à cœur. Ça fait qu'il me dit, « Bon, mon top, tu m'enverras trois de tes meilleurs hommes, je vais te régler ça. » Je sais bien pas qu'est-ce qu'ils ont fait au bon lieu, mais ils, Seigneur, on n'aurait pas pu demander mieux. On avait enfin de l'eau. Bonne, pure, bien bonne à boire. Hey, j'étais tellement content que j'ai planté une croix à la source pour remercier le Seigneur. Puis le curé l'a béni. Chaque soir, là, avant d'aller me coucher au camp, je venais faire ma prière à la croix pour la garder saine, puis mes hommes aussi. La croix l'a tenue jusqu'en 1910. Une gang de bûcherons en a eu besoin pour se réchauffer un soir de novembre. Ils ont pris la croix à mon beau Tom pour se faire un feu. Hey, une chance qu'il n'ait pas vu ça. Moi puis lui, on s'est rencontrés à la messe un dimanche. Je suis tout de suite tombée en amour avec lui. Il était beau dans son habit. Ah, il était aussi beau quand il travaillait. Mais on n'a pas pu se marier. Malheureusement. Mais là, pour la source, ça a mal été. Elle a été corrompue. Il n'y avait plus d'eau qui coulait. À la place, l'eau, elle a envahi la route. Il a fallu refaire des travaux. Ils ont remis une croix, mais elle a fini par pourrir de la base, tomber. Heureusement que mon Tom, en 1933, trois bons messieurs sont venus la réparer. Ils l'ont remis debout, puis cette fois-ci, ils l'ont baigné. Puis là, la source a recommencé à couler et est redevenue belle, comme dans le bon vieux temps. Puis aujourd'hui, la croix tient toujours, puis elle porte son nom, Tom Fox.